Schizophrène coin faire un tour est une nouvelle extraite de Parlez-moi d'amour, le troisième recueil de nouvelles de Raymond Carver, paru en 1981. Cette courte nouvelle met en scène deux hommes, amis depuis l'enfance dont on suit brièvement leur destinée, chacun en grandissant met ses rêves de côté, se trouve un petit boulot, se marie et fonde une famille. Les deux amis se retrouvent chaque semaine en famille avec leurs femmes et enfants autour d'un barbecue et de quelques bières. Un dimanche après-midi, en discutant de vieux souvenirs de jeunesse, les deux hommes décident de faire une petite virée en allant au bar du coin et se faire une petite partie de billard. Quelques bières plus tard, retrouvant toute la fougue de leur adolescence, les deux amis prennent la voiture, s'imaginant beaux et forts comme les héros de leur jeunesse. Ils vont alors croiser la route de deux jeunes filles à bicyclette, vont les aborder en se disant que c'est amusant, qu'ils ne font rien de mal après tout. Cependant, ils vont devenir de plus en plus insistants jusqu'à commettre l'irréparable. Raymond Carver est un auteur qui a la force de savoir parler des gens, qu'ils soient caissiers, au chômage, gérants d'un hôtel. Ils sont alcooliques, se trompent, sont dans la dèche. Ils font face à de vrais drames quotidiens comme d'immenses joies. Ce qu'ils vivent, de bon ou de mauvais, est toujours intense. Et cela est renforcé par la nature du genre de la nouvelle. En gros, les nouvelles de Carver sont toujours brûlantes. Il n'a pas affaire à un auteur dans la demi-mesure. Cette nouvelle de Raymond Carver, en se mettant dans la peau de l'agresseur sexuel, permet de s'en rendre compte que celui-ci peut être absolument n'importe qui. Ici, les deux hommes sont mariés, bien dans leur vie. Eux-mêmes ne pensaient pas à mal en abordant les deux jeunes femmes. L'euphorie de leur virée et l'envie de s'éclater comme au temps de leur 16 ans changera progressivement leur éclate en arrière-pensée malsaine. Nous pensons tous, ça n'arrive qu'aux autres, moi je suis sain d'esprit. Cette nouvelle montre cependant que chaque individu peut succomber à des penchants malsains. Et le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement sexuel n'est-il pas de prendre conscience que nous ne sommes pas sains, nous ne sommes pas irréprochables? Après avoir travaillé comme portier, ouvrier dans une série, vendeur ou encore gardien de nuit dans un hôpital au cours des années 60, Raymond Carver publiera quelques recueils de poèmes. Les années 70 sont marquées par l'alcoolisme de l'écrivain qui finira toutefois par y mettre un terme grâce aux réunions des alcooliques anonymes. Il vivra jusqu'à sa mort en 1988 avec la poétesse Tess Gallagher. Raymond Carver est connu pour être considéré comme le Tchekhov américain. Dans certains de ses écrits, il cite comme référence, en plus de Tchekhov, son ami Richard Ford, Jim Harrison ou encore Joyce Carol Oates.